Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans un nouveau hall. Je sais encore et en plus c'est la même tenue, donc là je suis un petit peu impardonnable, mais j'ai du temps, que voulez-vous, donc j'en profite. Je vais vous présenter un hall que j'ai effectué chez Action, comme ça ce sera principalement centré sur ce magasin car je sais que ces vidéos plaisent beaucoup. Et aussi j'ai fait un tour dans mon supermarché habituel Leclerc et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé là-bas parce qu'il y avait des promos beauté. Alors là, je ne sais pas du tout d'où elles débarquent. Je ne sais pas. Voilà, il y avait des promos beauté Leclerc alors que les promos beauté Leclerc, les grosses, sont passées il y a quelques mois. Donc voilà, j'étais un petit peu surprise, mais tant mieux. Du coup, j'ai pu faire quelques affaires. On va commencer par Leclerc parce que c'est là où j'ai acheté le moins de choses. Ils faisaient aussi des promos sur les vêtements et il y a une pièce qui a attiré mon œil et donc je l'ai essayée et je l'ai prise parce qu'elle est vraiment très très jolie. Donc c'est un haut en couleur blanc cassé qui se présente comme ceci. Donc il est vraiment évasé en bas. Et vous avez un détail de dentelle sur tout le décolleté et des petites fronces sur le col du haut. Et je le trouve vraiment magnifique. Alors j'ai pris en 44, il est un petit peu grand, sauf que la taille qui restait à part 44, c'était 38 et il était un petit peu serré. Donc voilà, je me suis dit, ce genre de haut-là en été, on aime bien les porter un peu loose. Donc je l'ai pris en 44 pour vraiment être à l'aise. Et donc au lieu de 16,90€, je l'ai payé 11,90€. Donc voilà, et dans le dos, vous avez des petites fronces aussi qui resserrent le tout. Et il est vraiment très très beau. Le seul souci, il y a énormément d'électrostaticité, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin, sur ce haut-là, et j'espère que je vais réussir à exterminer un petit peu cette électrostaticité, je sais pas, en le repassant ou tout simplement en le lavant. Donc j'espère que ça partira au lavage, mais en tout cas, il est vraiment très très beau. Ensuite, je me suis pris quelque chose que je n'avais jamais vu, c'est la première fois que je vois ça. Alors, c'est une crème nettoyante démaquillante de chez Neutrogena dans la gamme Deep Clean. Et en fait, c'est une crème nettoyante vivifiante. Donc voilà, je me suis dit, j'arrive bientôt à la fin de ma mousse nettoyante. Et comme il me reste quasiment que des mousses nettoyantes en stock, j'ai envie de passer à un truc un petit peu qui change. Parce que c'est vrai qu'on se lasse vite d'un procédé. Et donc là, voilà, je me suis dit qu'une crème démaquillante, ça pourrait être vraiment très sympa. Surtout que j'ai jamais vraiment testé ce genre de produit. Et là, voilà, comme il était en promo, je l'ai pris direct. Au lieu de 3,80, j'ai dû le payer 2,60 € ou un truc comme ça. Donc voilà, vraiment pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je l'ai aussi pris. Ensuite, je me suis trouvé un liner. C'est vrai que le liner, moi, c'est quelque chose que je mets très peu parce que je n'ai pas ce qu'il faut sous la main. J'ai mon Aqua Black de chez Makeup Forever, mais c'est vrai que c'est un eyeliner en pot. Donc c'est pas forcément évident. Et tout le reste, c'est des eyeliners vraiment basiques et j'arrive pas à les dompter. Alors là, je me suis payé un de chez Maybelline, c'est un tracé précis, c'est pour ça que je l'ai pris. Et il proposait soit mat ou soit satin, et j'ai longuement hésité. Je me suis même dit, tu vas prendre les deux pour voir ce qui te plaît le plus. Mais finalement, je l'ai pris en satin parce que je me suis dit que c'est plus sympa d'avoir l'œil un petit peu illuminé plutôt que quelque chose complètement mat. Donc, c'est le Eye Studio Master Ink Satin, donc l'eyeliner liquide satin de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Et ça, au lieu de 6 euros, je l'ai payé 3,60 €. Il était à moins 40%, il me semble. Donc ça valait vraiment le coup. Et puis c'est pour ce prix-là que j'ai pas du tout hésité. Ensuite, c'est un produit que je vois depuis très très longtemps, mais j'ai jamais vraiment sauté le pas. Et là, il était en promo. Il coûte 9,90 € à la base, mais je les ai déjà vus à 13 euros et des bananes. Donc là, c'était vraiment l'occasion de le tester parce que je l'ai eu à 6,20 €, il me semble. Donc c'est le rouge à lèvres brillance miroir et couleur intense. C'est le rouge édition Aqualac de chez Bourjois. Je l'ai pris en teinte 7 fuchsia percé. Fuchsia perché, pas percé. Et donc voilà, je me suis dit que pourquoi pas tester, j'en entends vraiment parler beaucoup, celui-ci et aussi le Velvet, Rouge Édition Velvet, mais voilà, j'avais envie de tester et tout simplement la couleur m'a beaucoup beaucoup plu. Il y avait énormément de couleurs, j'étais prête à en prendre plusieurs, mais je me suis dit si tu n'aimes pas, étant donné que c'est un truc assez liquide, donc peut-être collant, teste celui-là et puis tu y retourneras si tu les aimes bien. Donc voilà, je m'en suis pris qu'un. Donc voilà pour Leclerc, c'était vraiment pas grand-chose. Ensuite, on va passer à Action. Alors chez Action, je me suis tout d'abord pris un set de table parce que j'ai un set de table sur ma coiffeuse qui est vraiment pas terrible et qui jure un petit peu avec les couleurs de ma chambre. Donc là, je m'en suis pris un qui va totalement avec les couleurs de ma chambre. Donc il est vraiment très très beau, un petit peu satiné. Et j'ai payé ça 82 centimes. Donc voilà, une petite misère. Ensuite, j'ai craqué pour des vêtements. C'est la première fois que je m'achète des vêtements chez Action. Je me suis déjà acheté tout ce qui est accessoires, mais là, vêtements, c'est la première fois. Et j'ai craqué pour 3 suites, comme ça je suis refaite pour l'hiver.
Alors le premier sweat, il était complètement déballé et je l'ai pris parce que c'était la seule taille qui m'intéressait qui restait. Donc c'est un sweat complètement noir qui se présente comme ceci. Là vous ne voyez absolument rien. Avec un, voilà, un tissu assez léger. Et le tissu sur les manches, c'est pas du tout pareil. Le tissu sur les manches, c'est un petit peu une matière comme du t-shirt. Mais et donc là, c'est plus une matière comme du sweat au milieu. Je le trouve vraiment très très sympa. Je l'ai pris en XL pour vraiment être à l'aise. Et ça m'a coûté 5,79 €. Donc voilà, je vais vraiment pas me priver pour ce prix-là. Et de toute façon, on peut les échanger si ça va pas chez Action. Ensuite, je me suis pris un sweat que j'ai trouvé seulement en taille L. Et c'est vrai que j'aime bien prendre XL parce que quand je sais vraiment pas comme ça les tailles dans les magasins que je connais pas trop, j'aime bien prendre XL et comme ça. C'est ni trop étriqué, c'est plus large et je préfère quand c'est plus large pour vraiment être à l'aise dans mes fringues. Et donc c'est un sweat vraiment tout léger qui sera parfait pour la mi-saison. Et donc c'est un sweat avec marqué Follow Your Heart, suis ton cœur. Et je le trouve vraiment très très beau. Voilà, il est tout simple, mais je trouve que l'écriture blanche fait tout son effet. Je le trouve vraiment très très sympa et très fluide, très léger. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Sauf que je l'ai trouvé qu'en L. Mais bon, tant pis. Et ça coûtait 5,99 €. Donc c'est pareil, c'est vraiment pas très très cher pour ce que c'est. Et exactement de la même matière, de la même collection. Cette fois en XL, j'ai réussi à le trouver en XL. Je m'en suis pris un autre. C'est exactement le même, mais en beige. Et cette fois avec marqué une inscription comme un parfum. Numéro 1, l'amour. La seule chose que j'aime pas, c'est cette phrase-là. Le sweatshirt, c'est cool. Bref. Ça fait un petit peu cucu, mais bon, les gens ne sont pas censés lire jusqu'en bas. En tout cas, je le trouve vraiment très très bien. Et pour bosser, c'est juste le top. Moi, j'adore les fringues comme ceci, assez fluides et vraiment toutes simples. Donc voilà, j'aime bien être vraiment à l'aise dans mes fringues. Et ça aussi, c'était à 5,99 €. Ensuite, j'ai craqué pour une chose, vraiment, je suis trop contente de l'avoir trouvée. C'est une énorme écharpe en acrylique, mais style laine. Et en fait, elle se présente comme ceci. Et je la trouve juste divine. Alors ça, avec une veste noire ou une veste en cuir noir l'hiver, ça va faire juste génial. Elle est vraiment toute toute douce et donc elle est grise avec des étoiles écrues et je la trouve vraiment sublime. Je vais la déballer pour voir comment elle se présente. Et donc ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, en fait, elle n'est pas de la même couleur. Donc vous pouvez soit la porter du côté gris, soit la porter du côté écru. Alors elle est un petit peu électrostatiquetée comme l'autre, mais bon, je pense qu'en la passant et en la portant plusieurs fois, ça va s'en aller. Et donc voilà, je la trouve vraiment magnifique et j'ai juste trop hâte de la porter avec une grosse veste en cuir. Et donc cette écharpe m'a coûté 4,99 € et je peux dire que c'est vraiment peu pour la qualité de l'écharpe et la douceur de l'écharpe. Ensuite, je me suis acheté quelque chose que je pense jamais à acheter dans n'importe quel magasin que ce soit. Ce sont des gants en cuir. Donc là, tous les articles pour l'hiver sont arrivés chez Action. Et donc, ce sont des gants en véritable cuir. Ça sent le cuir, c'est vraiment. Puis on voit que la qualité, c'est pas de la merde. Et donc, il y avait des gants pour hommes et des gants pour femmes. Et donc, ce sont des gants tout simples qui se présentent comme ceci. Donc, avec vraiment des détails assez, assez jolis. Et puis, deux petits cœurs pour voilà. Faire le côté un petit peu féminin. Et donc ils me vont vraiment très très bien. Et ça avec un beau manteau, un beau cardigan, je trouve que ça fait vraiment tout son effet. Et puis bah, le cuir, il n'y a rien de mieux pour tenir chaud l'hiver. Donc voilà, je suis vraiment contente d'être tombée dessus et de les avoir pris. Comme ça, je suis tranquille pour l'hiver prochain. Et puis en cuir, je suis sûre qu'ils me tiennent quand même un bon moment. Et ça aussi, ça coûtait 4,99 €. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'être tombée dessus. Alors on va finir par du maquillage que j'ai acheté. La marque vendue chez Action, c'est la marque Max & More. Si vous connaissez maintenant ce magasin, je pense que vous connaissez cette marque. Et j'avais essayé pas mal de produits dans leur marque, mais je m'étais jamais penchée vraiment sur les fards à paupières, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors je me suis pris deux petits quatuors comme ça de fards à paupières. Donc en premier, je me suis pris le Incognita avec des teintes violet, grise, noire et blanche. Et le deuxième, je me suis pris le Ombre Bronze, donc là avec des teintes un petit peu plus nude et un beau noir. Donc je savais pas du tout ce que ça valait, c'est pour ça que j'ai voulu tester, puis je vais voir vraiment ce que ça donne. 1,39 €. Voilà, c'est vraiment des choses vraiment toutes simples. On peut pas faire plus simple de toute façon. Donc derrière vous avez la référence de la couleur, donc ça c'est plutôt sympa. Je vais voir la pigmentation parce que c'est ce qui m'intéresse. C'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça peut donner. La pigmentation est plutôt pas mal. Je suis assez, assez satisfaite. Donc à tester sur les yeux, voir ce que ça donne. Je vous swatche pas l'autre, c'était juste pour se rendre compte un peu de la pigmentation. Mais voilà, je vais tester ces petits quatuors et puis je vous en dirai bien sûr des nouvelles.
Ensuite, toujours de la marque Max & More, je me suis pris trois ombres à paupières en mono. Je me suis pris la couleur Copper, qui est un joli bronze. Je me suis pris la couleur Sahara, qui est un nude, un beige nude. Je me suis pris la couleur Aubergine, qui est un joli violet Aubergine, comme son nom l'indique. Alors, je veux juste swatcher cette couleur parce que je la trouve vraiment très très belle dans le packaging. J'espère que en swatch, elle sera aussi belle que ça. Et vous avez Max & More imprimé dans le pad. La texture est très veloutée. Et au niveau du swatch, ben c'est vraiment pas mal. Et je trouve la couleur juste sublime. Je n'ai pas du tout de violet, un petit peu comme ça, aubergine. Et donc là, je trouve ça juste magnifique. Donc j'ai hâte, hâte de tester ça. Pareil, je vous swatche pas les autres. C'était juste pour que vous vous rendiez compte de la pigmentation qui est au rendez-vous. Donc voilà pour ça. Et enfin, pour terminer ce haul, je me suis pris un fard à paupières de la marque Calvin Klein. Donc ça, c'est une marque que j'aime énormément. Je connais énormément de leurs produits. Et donc voilà, j'ai pris un fard à paupières. Et pourquoi j'ai pris ce fard à paupières? Parce que c'est le fard à paupières, en fait, par excellence pour illuminer mon arcade sourcilière. C'est la couleur exacte qu'il me faut au quotidien. Et des fois, dans certaines palettes, dans certains, par exemple, quatuors, eh ben, il n'y a pas cette couleur-là qu'il me faut au quotidien pour illuminer mon arcade sourcilière. Pour faire des retouches et pouvoir bien estomper mes fards en haut, je trouve ça juste parfait. Donc, elle est juste ici, je pense que vous la voyez là. Et donc, voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir trouvée. Donc, c'est le fard à paupières numéro 104 qui s'appelle Caméléon. Enfin, ça s'écrit chaméléon, mais je pense que ça se prononce caméléon. Et vraiment, je le trouve parfait. Donc ça va rester au quotidien dans ma coiffeuse pour vraiment l'avoir tout le temps sous la main. Donc voilà pour mon haul Action et Leclerc. C'était vraiment très très rapide, mais voilà, ça vous fait aussi une petite vidéo courte qui change de d'habitude. C'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.